Qui est très dangereux, qui d'habitude joue à l'intérieur et qui tient le rôle d'un ailier droit en retrait. Lipens qui repasse à un de ses partenaires. Ouf, Goetschen qui shoot du gauche. Et le but est marqué. Le but est marqué à la 12e minute de la deuxième mi-temps. Les Belges égalisent. C'est donc, comme vous l'avez vu comme moi, Paichen, l'ailier gauche belge, qui vient de mettre les deux équipes à égalité. C'est tout à fait logique, cela devait arriver. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai pris l'antenne, que les Belges auraient mérité de marquer au moins une.